Quelle que soit ta foi, ça fait partie de toi. La foi est une nature qui va de soi, dans le fond. Ta foi, c'est ta vertu, les valeurs auxquelles tu crois. La foi est reconnue par toutes les lois. Dis-moi donc pourquoi m'enlever mon emploi, quoique mérité comme il se doit? Pourquoi mon signe de foi me coûterait un renvoi? Pourquoi, Madame Marois? Toi, lui, elle et moi, tous égaux aux yeux de la loi. Pourquoi donc mon signe de foi ferait de moi une proie? Suis-je un hors la loi pour m'exclure de sang-froid? Ma foi ne me concerne que moi, je ne l'impose à qui que ce soit. Quel rapport à l'emploi? Si la charte le jour voit, ce sera un désarroi que l'on abuse de l'emploi au détriment de la foi. Le pays où que l'on soit est parsemé de saints, de saintes et de croix. Le son du glas, la fleur de lys et le drapeau orné de signes flottant fièrement au-dessus des toits. N'est-ce pas ça des signes de foi? Il n'y a qu'un aveugle qui ne les voit. Turban, kippa, foulard ou croix, peu importe le signe de foi. La vraie beauté est dans l'œil de la personne qui le perçoit. L'Amérindien, figure-toi, a lui aussi ses signes de foi. De côte à côte, du fond des âges, si accueillant sur sa terre et d'un amour dont il fait foi. Le nom Québec en tant que tel revient certes aux Iroquois. C'est un signe de bienvenue aux arrivants. Débarque-toi. Avec ou sans signe de foi, nous sommes tous Québécois. On a tous les mêmes droits, on veut vivre dans la joie, l'estime des autres et de soi. Là où la paix sera reine, là où l'amour sera roi. Y a que le foulard, ça se voit, qui soulève tant d'émoi dans ce projet de loi, qui cherche le max de voix. Diviser pour régner, un Machiavel de surcroît, quel cheval de Troie. Sois laïque et tais-toi. On se demande pourquoi, en société de droit, on joue sur la peur, on mise sur l'effroi. Pointant du doigt ce à quoi je crois, me soupçonnant de sournois, qui nous voit, qui foudroie. Me justifier, pourquoi, quand je suis de bonne foi. Laïcité fermée, esprit, ouvre-toi. Quand il pleut en Europe, au Québec, abrite-toi. Importer leurs problèmes, à quoi bon, dis-moi. Singerie insensée, pas de bon sens, réveille-toi. Les vrais enjeux des Québécois, c'est de lutter sans répit contre les mafieux, Madame Marois. C'est la santé, l'éducation et l'emploi, et bon nombre de défis qui font le poids. C'est quoi le point de s'attaquer aux signes de foi quand le pays, trempé de foi, est le garant de nos droits? Pourquoi on me rudoie? Pétrifié? J'en reste quoi? Ce n'était pas comme ça, jamais autrefois. On était tous contents de nos mets chinois, de nos danseurs hongrois, du folklore béninois. Du terroir québécois, de notre mosaïque de culture, même en milieu d'emploi. Mais aujourd'hui, sais-tu quoi? On est fiers de tout, sauf des signes de foi. En milieu d'emploi, ma foi, quelle insouciance! Deux mesures, deux poids, Seigneur, épargne-moi! Égalité, neutralité, ça n'est qu'un mythe et langue de bois. Visage masqué, de grâce, dévoile-toi! Avec ou sans signe de foi? Nous sommes tous Québécois. On a tous les mêmes droits. On veut vivre dans la joie. L'estime des autres et de soi. Là où la paix sera reine, là où l'amour sera roi.